Notre faritas est prête. On va passer tout de suite au dressage. Alors pour le dressage, moi j'ai une petite assiette. On va venir déposer notre faritas. On va venir prendre notre garniture. Voilà. Et je vais venir rajouter du gruyère parce que j'adore ça. Et on va venir fermer tout doucement. Alors ne blindez pas la garniture, sinon ça va déborder. C'est le qu'utiliser des ciseaux pour ça. Quand c'est fait, ben, il vous reste juste à l'insérer à l'intérieur du case de téléphone, vous assurer que tout est bien découpé correctement et c'est fini! Je sais pas pourquoi je l'aime autant parce qu'on va s'entendre, là, c'est quand même un truc qui est super simple, mais je trouve ça vraiment beau. On est d'accord. Oui, bon, je reprends ma carte. Donc... on est d'accord, mais tranquille, tranquille. J'ai pas envie de lui ruiner la gueule tout de suite. Donc du coup, je vais jouer un enchantement, une aura. Du coup, je peux enchanter cette créature, le Bronto d'hôte farouche, qui du coup, désormais a piétinement et plus 2 d'attaque. Très bien. Donc piétinement, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que, imagine... Je traverse tes monstres. Oui, alors imagine, tu m'attaques. Donc là, elle a plus 2 d'attaque. Donc là, en gros, elle a 5-4. Si j'attaque et que tu défends avec un gobelin, oh, eh ben, avec je vais quand même. À 1 mm. Maxi, que llega a todas. Mira, mira. Y llega a esa también, sí, señor. Impresionante. ¿Cómo? ¿Nos volvimos locos? Claro, no. No, se volvió loco el árbitro. ¿Y los jugadores? Non, non, se equivocaron les joueurs. Vale, vale, ma chose, donc maintenant je vais tout simplement venir le retirer. Tadam! Magnifique! Non, alors évidemment, pour l'instant, on ne voit rien du tout parce que, comme je vous disais tout à l'heure, l'encre apparaît progressivement au fil des heures. Ça, je trouve que ça, c'est un petit peu naze parce que généralement, quand tu veux. Ah, non, 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 non,